Un tuto rapide sur vidange d'huile sur moteur THP PSA. Donc pour arriver à la cloche, alors le filtre à huile il est là au bout, là, on voit, j'ai mis la douille, c'est une douille de 27. Attention, c'est des douilles, elles sont pas faciles à trouver. Donc il faut démonter ce qui est là. C'est pas la peine de démonter cette durite de turbo. Il suffit de démonter ben, ça, là le renvoi d'angle, la petite équerre là, qui est là-bas derrière. Enlever là ce bout de couvercle de bac à batterie. Alors attention, quand on ouvre la cloche, ça coule. Ça coule bien. Donc là on voit en bas, là j'ai mis une bâche, mais bon bah si j'avais su, j'aurais mis mon bac dessous. Je pensais pas que ça coulerait autant, mais enfin j'avais tout vidé. Donc ça coule beaucoup. Et pour arriver à serrer, ben, il faut une bonne rallonge. Il faut une bonne rallonge comme ça. Il faut venir ben, visser ici, sinon ça vient buter là. En plus moi c'est une douille spéciale, enfin c'est une rallonge spéciale avec qui me donne un peu de jeu. Parce que sinon on vient buter dans le bac à batterie. C'est vraiment pas pratique. En dessous c'est du hexagonal. Le bouchon du réservoir d'huile, c'est du hexagonal. Attention, c'est pas les douilles carrées comme avant là, sur les 206 comme ça. C'est pas ça, c'est pas bon. C'est bien du hexagonal. Serrage au couple 25 Nm ici et 30 Nm pour le bouchon de vidange.